Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis au trail de Landmarno, une référence dans le Finistère Nord que moi je ne connaissais pas. Donc c'est la première fois que je vais faire ce trail, je me suis inscrit hier, donc pas du tout préparé pour faire ce trail, mais bon, j'avais une sortie de 3 heures à faire, donc du coup ça tombe bien, j'en profite pour faire ce petit trail et découvrir un nouveau coin. Donc c'est super chouette, 27 km, normalement ça devrait se faire en peut-être 2h30 environ, j'espère. Et bah voilà, ça va être chouette, il y a beaucoup de copains, on est bon, on est chaud, c'est parti. Bon, par contre, ce qui me fait vachement moins marrer, c'est que les chaussures, elles sont neuves, elles sont toutes belles. Regarde, regarde comme elles sont belles. Mais à mon avis, ça va pas durer. Ça commence. Bon bah voilà, c'est fait. Elles sont dégueu. On peut faire un crochet, hein. Merci, c'est sympa. C'est sympa d'indiquer aux collègues. Ah, cool, hein. Super. Voilà. Oh. Oh. Attention, rocher. Un peu de jus. Bon, au moins les chaussures sont propres. C'est la première blague des organisateurs. Maintenant j'ai l'arrêt du cul qui sert de gouttière. Ça rafraîchit bien les jambes. Une petite patate derrière. Et maintenant, faut pas descendre. Donc c'est bien casse-toi cette affaire. Allez. Encore une joyeuserie. Bon, ça va hyper vite pour moi. Pour l'instant, ça se passe bien. Allez. Bon, commence à pleuvoir un petit peu. Un petit crachin breton. S'il pleut plus que ça, bah, je serai dans la merde. Parce que j'ai rien pour me couvrir. J'ai fait confiance à Monsieur Météo France. Voilà. Mais bon. Je suis confiant. Bon, sinon, les descentes, ça se passe bien. Les montées, je ramasse. Mais globalement, ça va. Allez. Coucou. Il a le temps de filmer en fait. Oh, on est à l'aise, on est à l'aise. Allez, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On va se détendre. Voilà. Bon là ça devient vraiment dur. Les montées là je ramasse. Les descentes ça va. Les montées. Je viens de passer le deuxième ravito, c'est pas arrêté parce que j'ai tout sur moi et j'ai hâte d'arriver.
s'enquille. Bon bah c'est parti. J'en chie. En dessous aussi, en dessous aussi, en dessous aussi. Oh ouais, ouais. Mazette. Oh la vache. Oh merde. Allez Simon. Ah. Oh cul à toi. Oh, oh. Putain. Et en plus on paye. Ouais non mais. Ouais. Bravo à tous, effectivement, voilà. On voit de nombreux maillots de plat, mais aussi de maillots de. Sur ce trail de Landorno, près des Moulins, 4e édition. On lui demandera, si jamais le temps, voilà, si tu peux nous récupérer. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce trail de Landoirno et ses 27 km. C'était vraiment une très très bonne expérience, bien boueuse. C'est un trail que je vous recommande, notamment si vous préparez le Menez Trail. Ça vous permettra de vraiment vraiment appréhender les conditions boue et terrain un peu dégueulasse. Je suis vraiment content d'avoir fait cette édition. Low finisher au top, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Content aussi d'avoir vu tous les copains. Voilà, ils étaient vraiment nombreux. Merci à tous ceux qui sont venus me faire un petit coucou et me dire bonjour, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Merci aux organisateurs d'avoir organisé cet événement qui était vraiment aux petits oignons, n'est-ce pas, en rapport avec le low finisher. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à ma liste mail pour vous pour recevoir un mail tous les matins à 8h qui se veut soit fun soit inspirant. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour vous inscrire, téléchargez le ebook 15 conseils pour courir plus vite. À bientôt, c'était François, bye bye.